Beyerou, ce quartier périphérique de Parakou, manque de l'essentiel pour permettre aux habitants d'être épanouis. À Beyerou en particulier, nous n'avons pas d'eau. Tous les puits, paradoxalement, cette année ont tari complètement. Pour trouver 2 bassines d'eau par jour pour faire sa toilette ou bien pour que nos femmes fassent la cuisine, c'est très difficile. Les voies, il n'y en a pas du tout. Il y a à peine 3 mois qu'on est venu terrasser les arbres seulement, mais on n'a pas du tout fait le reprofilage des voies. Notre école n'est pas du tout clôturée. Les soirs, il y a les jeunes aussi, c'est là des rendez-vous des amoureux. À Beyerou, nous avons trop de difficultés dans l'eau potable. Nous avons 2 pompes, dont les 2 pompes, un est gâté. Depuis que un est gâté, donc c'est les 1 que nous utilisons. Mais la population de Beyerou est trop, donc la seule pompe est trop, ne peut pas nous satisfaire en eau potable. Donc nous utilisons les puits. Donc voilà aussi les puits à l'air là, l'eau des puits est tarie. Donc ça fait que nous buvons l'eau qui n'est pas propre. Ces logements sociaux à l'abandon constituent un véritable nid d'insécurité pour les populations. Vous voyez non, les portes, les fenêtres sont tous enlevées. Et la nuit, il n'y a pas la paix. Toutes les nuits, c'est où ces coups de gauche à droite. Et c'est à cause de ces maisons. Parce que c'est là qu'ils se cachent. On a déjà arrêté un voleur la fois passée. Il est en prison civile. Et c'est comme ça. À tout moment, ils violent nos femmes. La nuit, nos femmes ne peuvent pas passer par ici. Les personnes vivant à Beyerou sollicitent un peu plus d'attention de l'équipe municipale à l'égard de leur quartier.